Product not yet rated. Les rats, dans ce jeu, c'est à la fois très étonnant parce qu'ils n'étaient pas présents, on va dire, la première semaine, au moment où on a planté la première graine du projet. Ils sont arrivés après et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose de viscéral avec les rats. Le rat est suscite du dégoût, c'est un peu la face cachée de notre monde. Le rat, il vit sous nos pieds, il vit dans les égouts, il est vraiment dans l'univers urbain, en tout cas cette créature qu'on craint de voir parce qu'elle nous rappelle à la saleté, même à cette notion de maladie. On a fait passer ça au premier rang dans notre jeu en disant pour nous les rats sont littéralement la peste. Rats are dangerous but disorganized. Inquisition, however. En fait, l'Inquisition, c'est ceux qui ont le plus de connaissances quant à la provenance des rats et qui sont le plus intéressés aussi à essayer de l'utiliser à leur propre fin. Leur équipement est conçu pour justement pouvoir écarter les rats avec la lumière. Il y a eu tout un challenge de arriver à montrer nos rats alors qu'ils sont dans l'obscurité, eux-mêmes étant sombres. On a joué sur différents leviers, on a joué sur tout simplement la nature des sols, essayer d'éviter les sols trop sombres par endroits. On a essayé de jouer également sur la brume qui viendrait découper en fait les silhouettes des rats. Comme quand on voit un animal sauvage dans la forêt avec une lampe et ses yeux qui s'illuminent, on essaie de reproduire un petit peu cet effet sur les yeux des rats pour les rendre visibles justement dans l'obscurité. Une des particularités du studio, c'est qu'on utilise notre moteur interne depuis le début, en fait. Et c'est ce qui nous a permis, sur A Plague Tale, de dédier réellement une partie de l'équipe Engine à rendre ces hordes de rats réellement organiques. Les rats, c'est avant tout une grande prouesse technique. On a 5000 rats simulés à l'écran en simultané, qui ont chacun leur propre IA et leur propre behavior avec une conscience de horde, donc qui vient répartir, propager l'information autour de la horde, qui va venir se déplacer naturellement dans des décors souvent très chargés. You mustn't touch the walls. It's burning my throat. I know you, Amicia de Rune. We have been watching your family for quite some time now. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Faut réussir à accepter le fait que le processus créatif qui tourne autour de la création d'un personnage, d'une histoire, de l'expérience gameplay qui vient avec, tout ça, ça se nourrit, il y a des allers-retours. Et en fait, le chemin du succès, c'est pas une trajectoire linéaire. Au-delà d'avoir quelque chose à prouver, on a envie de se battre pour offrir la meilleure expérience possible. En fait, on ne veut pas avoir de regrets sur ce jeu-là, on a envie d'exprimer le fond de nos tripes pour que le joueur pas dans main ressente que c'est avant tout de l'amour qu'on a mis là-dedans, même si les sujets qu'on aborde sont horribles et sombres, c'est issu de l'amour de 40 personnes.